nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce qu'on est vendredi pour mon retour de course de la semaine. Donc du coup, comme d'habitude, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Bon, c'est tout, alors on y va. Alors on va commencer avec les surgelés. Donc on change pas les bonnes vieilles habitudes, comme je vous le dis chaque semaine. La pizza bitoni au chorizo pour mon homme et la pizza fresh up pour moi. Sauf que cette semaine j'ai changé. Oui, parce que bon, ça va bien un peu la reine blanche, mais j'en ai marre. Donc du coup j'ai pris Italian Burger et elle est super bonne. Ensuite, en surgelé, j'ai pris pour mon homme, pour le midi, des buns. Je sais pas si vous connaissez, c'est des petits pains fourrés. Alors d'habitude il prend saucisse moutarde, là il n'y en avait pas. Donc du coup c'est bolognaise, j'espère que ça lui plaira. Parce qu'il n'y en avait pas. J'ai pris également pour nous le soir des lasagnes à la bolognaise qui sont très très bonnes. Donc la plupart du temps c'est de la marque Inter, ou autrement quand ça n'existe pas dans la marque Inter, je prends une autre marque. Et en surgelé, c'est tout. Ensuite, on continue avec le frais. Alors, j'ai acheté du fromage râpé pour mettre dans les pâtes, etc., etc. Donc je prends le pâturage. Tout simple, il est très bon. Voilà. Ensuite, j'ai acheté... C'est dans mon avant-dernier ou dernier, je sais plus, aux heures de course. J'ai encore craqué, j'ai acheté du colchon. J'y peux rien, j'aime ça. Tant pis, bon, je mangerai ça ce midi. Ouh, il fuit. Ah, ça c'est ballot. Bon, il va falloir que je me dépêche de le manger. Vous voyez, c'est pas moi, hein, c'est lui qui veut que je le mange. Regardez, il est ouvert. Il était pas ouvert dans le magasin, donc j'ai dû un peu l'écraser dans mon sac de course. Bref. Ensuite, j'ai acheté de la pâte feuilletée pour faire des feuilletés au saumon pour un soir avec mon homme. Du coup, qui dit feuilleté au saumon dit saumon. Donc la poissonnerie en ce moment dans mon magasin Intermarché, donc quasiment plus rien en choix. Donc je suis obligée de l'acheter en barquette comme ça. Alors c'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est qu'il est à 24,60€ le kilo. Et que je trouve que ça fait cher pour du saumon. Mais bon, on va pas se priver non plus. Ensuite, des hot dogs pour mon homme. Voilà. C'est des nouveaux, ils ont changé le packaging, donc je lui demanderai ce qu'il en pense pour voir si le goût est toujours le même ou pas. C'est tout, ils ont peut-être changé que le packaging, ils ont peut-être pas changé ce qu'il y a à l'intérieur. Après, j'ai de la crème fraîche entière pour pouvoir faire des croques champis. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Et du fromage cœur de lion qui s'est cassé la figure à la caisse, qui est... ça change pas son goût non plus, hein. Ensuite, j'ai acheté pour moi un midi du gratin dauphinois Monique Ranou. Alors c'est pas de la grande cuisine, hein, mais c'est que le midi j'ai pas des fois forcément envie de me faire à manger. Donc j'achète des plats cuisinés. J'ai pris celui-ci, alors ça c'est une tuerie. C'est des plats cuisinés Marie. Ça existe à base de... Il y a avec des pâtes, je crois que c'est poulet, champignons, pâtes, tout ça. Là c'est polenta crémeuse canard confit. C'est bon. Mais c'est cher. Donc une fois de temps en temps. J'ai acheté des danettes à la vanille. Parce que les danettes à la vanille, quand elles sont en promo Intermarché, je rate pas, j'achète. Encore Jean-Marc généreux. Faut que j'arrête. Pourtant je regarde pas Danse avec les stars. Ensuite, j'ai voulu tester une nouvelle pasta box qui vient de sortir parce que je l'avais jamais vue. C'est des tortellini jambon sauce au jambon cru et au parmesan. Je sais pas ce que ça peut donner du tout. Donc je goûte, je mets ça dans mes produits finis et je vous en dis plus la prochaine fois. J'ai pris pour mon homme des sandwichs rosettes de la marque Intermarché. Pour une fois, il la date allait assez loin. C'est un miracle. Pour moi ce midi, on continue dans le diététique avec le colso carotte oignon je sais plus quoi, chou. Et j'ai acheté un sandwich poulet rôti moutarde à l'ancienne. Je crois un régime plus tard. De toute façon, ce soir c'est McDo parce qu'on est vendredi et qu'on se fait notre petit plaisir du vendredi, on va manger McDo. Autant manger n'importe quoi aujourd'hui. Je me suis pris du fromage. J'achète beaucoup le Crémo, je l'aime énormément ce fromage. C'est de la marque Inter, hein. Il est très très bon. Pour monsieur, j'ai acheté des crèmes dessert craquantes. Alors, elles sont très bonnes. Moi, j'en raffole pas plus que ça parce que
Le chocolat qui est au-dessus, c'est du chocolat très noir. Et je suis pas fan du chocolat noir. Donc bon. Mais autrement, elles sont super bonnes. Hein. Donc il adore ça. Donc je lui fais plaisir. En plus, elles étaient en promotion. Pour mademoiselle, on change pas toujours les petits Gervais. Enfin, les Danonino, parce que c'est plus les petits Gervais. Et pour moi... Ah non, il y en a encore. Ça, c'est pour mon homme aussi. Il avait envie de yaourt au citron. Donc du coup, je lui ai trouvé ceci. C'est des yaourts la laitière au citron ou lait entier, arôme naturel de citron. Bon, je vais pas vous dire s'ils sont bons, je lui demanderai. Moi j'aime pas du tout le citron, donc quand je peux lui faire plaisir en lui prenant des desserts à base de citron, je le fais. Ensuite, du jambon pour pouvoir mettre dans mes croques champi. Voilà, bah Monique Rano, jambon supérieur, 25% de sel en moins. Et ensuite, il y avait encore les perles de lait qui étaient en promotion. Donc la semaine dernière, je les avais pris nature. Là, il y en avait à la noix de coco. Donc je me suis jetée dessus parce que j'adore la noix de coco. Donc bah voilà, ça c'est mon petit plaisir. Les perles de lait, quand elles sont en promotion, j'en achète. Pour ce qui est du frais, bah, c'est déjà pas mal. Je range et on fait la suite après. Allez, on continue avec ce qui ne va potentiellement pas au frigo ou que j'ai pas besoin de conserver au frais pour rentrer. Donc... j'ai acheté des champignons pour mes croques champis. Ça fait 3 fois que je vous dis que j'achète des trucs pour les croques champis. Je vous explique. Dès que j'ai sorti l'ingrédient principal, je vous explique. J'ai acheté des œufs, toujours les mêmes. Pour les repas du midi, du week-end, on l'ajouterait pas cuisine du tout. Donc j'achète les banzai noodles de Lustucru. Donc pour mon homme, c'est curry et pour moi, c'est au bœuf. C'est des pots, en fait, vous ouvrez, vous mettez de l'eau bouillante dedans. Les pâtes, elles gonflent, vous mangez ça. Et bah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, on en mange assez souvent. Et c'est super rapide à faire, surtout. Ensuite, pour l'autre midi, j'ai acheté le riz Uncle Ben's. Riz tomate et huile d'olive. Voilà. Et nous, dedans, on adore rajouter... c'est des olives noires, coupées en petits morceaux. Donc du coup, voilà, on se mange à midi. J'ai acheté de la salade. Alors cette fois-ci, c'est de la salade Iceberg Saint-Éloi, donc Intermarché. J'ai pris celle-là parce que la date, elle allait assez loin. Et c'est super dur de trouver des salades où la date va loin, sachant que je sais pas quand est-ce que je vais l'utiliser dans la semaine. J'ai acheté mon pain jaquet sans sucre ajouté. Pour ceux qui me suivent, qui ont regardé, je suis ambassadrice Jaquet pour tester leur nouvelle gamme de pain sans sucre ajouté. Et alléluia, j'en ai trouvé. Alors j'ai trouvé que un de ceux que je voulais acheter. J'avais un bon pour en acheter deux. J'en ai trouvé qu'un. Donc du coup, mes croques champi, je vais les faire avec ce pain-là. Parce que c'est une recette qui est fournie dans notre guide d'ambassadeur. Et qu'on peut filmer si on veut pour pouvoir faire de la promotion de ce pain. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Hein, parce que j'ai jamais mangé de pain de mie sans sucre ajouté. Donc du coup, voilà mes champignons, mon jambon. C'est pour faire ça. Hop! Samedi soir, on va se faire un petit apéro en amoureux. Du coup, j'ai acheté ceci. Bulle de pêche sans alcool. C'est super bon. On l'avait acheté pour l'anniversaire de Juliette parce qu'on avait des gens qui ne buvaient pas d'alcool. Et c'est super bon. C'est super bon. Ils mettent que c'est une boisson gazifiée sans alcool à base de cidre désalcoolisé, aromatisé à la pêche. J'ai acheté du Perrier citron vert, enfin acheté non, parce qu'en ce moment Intermarché c'est le Monopoly et j'avais gagné une bouteille de Perrier citron vert d'un litre. Donc bah, j'ai pris pour mon homme parce que moi j'aime pas le citron. On verra ce qu'il en pense. J'ai racheté des petites compotes goût de goût à Juliette, ils n'avaient pas beaucoup de choix, donc j'ai acheté 3 compotes pomme gala. Voilà. Ensuite, j'avais besoin de levure chimique pour faire des recettes, j'en avais plus, donc du coup j'en rachète toujours d'avance, comme ça je suis tranquille. Et pareil, j'ai acheté de la farine, hein, la top budget d'Inter T55 et nickel pour faire les recettes. J'ai acheté pour faire des purées de Juliette un navet. Ensuite, pour nous, pour notre petit apéro du samedi soir, j'ai acheté une botte de radis, ils étaient beaux franchement,
Et ils étaient pas chers, ils étaient à 1,40€ la botte. Alors c'est pas le moins cher, hein, mais bon, c'est déjà bien. Ensuite, pour ma crevette qui adore ça, j'ai acheté des bananes. Il y avait des promotions sur les mangues. Je suis une dingue de mangue, j'adore ça. C'était 1€ la mangue, donc du coup, bah, je vais voir. Je vais la manger ce midi, on va voir si elle est bonne. Je vais en faire manger un petit peu à Nénette. Elle aime bien, mais à petite dose. Pour les purées de Juliette, j'ai racheté également des carottes. En fait, en général, je fais une purée carotte navet. Elle adore ça. Et je lui ai pris également un pané pour lui faire de la purée pomme de terre panée. Au niveau des légumes, c'est tout. Ensuite, pour mon homme à midi, un plat cuisiné saumon et tagliatelle. Bah, il doit aimer ça parce qu'il me le demande quasiment toutes les deux semaines. Pour notre petit apéro, j'ai pris ceci. C'est la première fois que j'en achète. Je vais voir ce que ça va donner. C'est les créations, donc la marque Bouton d'Or Intermarché. Et c'est des mini crêpes fourrées au cheddar. Donc on verra ce que ça donne. Pour moi, j'ai trouvé ça. Pétales de coco terriblement croustillantes. J'adore la noix de coco râpée. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai les tambours qui arrivent dans la cuisine. Ensuite, donc j'ai pris ça, c'est la marque Vai Vai. Je connais pas, mais du tout, du tout, du tout. Donc bah, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Attention chérie. Donc j'ai acheté du thon pour monsieur parce qu'il adore se faire du thon mayo pour le midi avec un bon morceau de pain. Pour Juliette le soir, eh ben on a repris des petits soupers. Donc petit souper aubergine, tomate, pâte. Petit souper purée aux 7 légumes. Et petit souper tomate, pâte, courgette. Je viens de réaliser que j'en avais pas pris assez. Il m'en fallait 8 et j'en ai pris 6. Mère indigne. Pas grave, j'irai en racheter dans la semaine. Je me suis racheté mes traditionnels chips de légumes. Je peux plus m'en passer, hein, c'est une drogue. J'ai racheté une bouteille d'eau pour Juliette, comme d'habitude. Du sucre pour le boulot de monsieur, parce qu'ils ont une cafetière pour tous. Et en fait, le Père Noël s'est invité chez nous. Vous entendez ? Et ça l'a fait marrer en plus, hein. Bref, donc du sucre en morceaux, c'est pour mettre dans son tiroir de bureau. Et pour finir, j'ai acheté de l'anticalcaire pour mettre dans ma machine à laver. Donc pareil, c'est la marque Apta. Pour l'instant, je suis pas déçue. Alors bah, j'en achète. C'est Noël. Merci ma chérie pour la musique en fond sonore, c'est terrible. J'aurais pas besoin d'en mettre. Et pour terminer, j'ai acheté du gel lavant pour les mains au savon de Marseille et feuilles d'olivier en recharge parce que j'ai déjà les petits pousse-mousses. On disait ça il y a 20 ans, un truc comme ça. Bref, j'ai les pousse-pousses là pour mettre dedans, donc bah voilà. Et c'est tout. C'était pas mal ces courses, hein. Il y avait ce qu'il fallait quand même dedans. Bon bah maintenant faut ranger. Donc en attendant, j'espère que cette vidéo de retour de course vous a plu. Je vous laisse mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez aimé, si vous avez déjà acheté certaines choses. Et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !